Bonjour à tous! J'espère que vous aimez cette petite jupe noire, parce qu'aujourd'hui nous allons tracer le patron de base de la jupe maille, c'est-à-dire le patron de base pour les jupes réalisées avec des matières extensibles uniquement. C'est un patron très facile, sans pince, qui requiert simplement la mesure de votre tour de taille, de votre tour de hanche, la distance qui les sépare, et enfin la longueur souhaitée pour la jupe. Voilà, c'est tout! À partir de ce patron de base, il sera possible de réaliser une multitude de jupes et de bas de robe en faisant simplement varier la longueur, la coupe et l'aisance. Du mini, du très long, du midi, des coupes sirènes, droites, boules, entravées, bref, la seule limite restera votre imagination et bien sûr, l'extensibilité du tissu. Bien sûr, il existe différentes façons de tracer ce patron et je vous propose celle que j'utilise, mais le plus important reste ce que nous ferons également ensemble dans cette vidéo, réaliser une toile, l'essayer sur mannequin et ou sur nous-mêmes, et enfin reporter les éventuelles modifications sur notre patron de base que nous conserverons bien précieusement pour de futures réalisations. Voilà, vous savez tout, c'est parti! Traçons la ligne de milieu devant, puis perpendiculairement la ligne de taille. Une seconde ligne perpendiculaire au-dessous va représenter la ligne de bassin. La distance entre ces deux perpendiculaires correspond à la distance qui sépare votre taille de votre bassin. Enfin, nous allons mesurer depuis la taille vers le bas la longueur souhaitée pour notre jupe et tracer une troisième perpendiculaire qui correspond à la ligne d'ourlet. Nous avons donc tracé la ligne de milieu devant, la ligne de taille, la ligne de bassin et la ligne d'ourlet. Cette distance correspond à la hauteur de bassin que l'on mesure d'ailleurs à l'endroit le plus large de nos hanches et celle-ci à la longueur de la jupe que l'on positionne généralement sous le genou pour un patron de base. Nous allons à présent nous occuper de la courbure de notre hanche et je vais tâcher de filmer ça d'un peu plus près. Depuis la ligne de milieu devant, nous allons reporter sur la ligne de taille la mesure de notre tour de taille divisée par 4. Depuis ce point, nous allons tout simplement tracer un nouveau repère à environ 1,5 cm. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas des tailles toutes droites, nous sommes joliment arrondis et galbés. Même scénario maintenant pour nos hanches, je divise mon tour de bassin par 4 et reporte cette mesure sur la ligne de bassin. À partir de ce repère, nous allons tracer vers le haut une petite perpendiculaire d'environ 1,5 à 2,5 cm en fonction de notre morphologie propre et enfin relier tout ça à main levée ou avec une courbe de jupe pour former le galbe de nos hanches. J'ai tracé une hanche assez droite par habitude puisque cela correspond à mon physique, mais vous pouvez la tracer plus galbée. Ne vous inquiétez pas, vous apprendrez très vite à vous connaître et nous ferons ensemble des essayages. Pour tracer la ligne de taille maintenant, nous allons commencer par réaliser ce qu'on appelle une petite platitude, c'est-à-dire une ligne perpendiculaire à la courbe du côté pour un bon raccordement des différentes pièces de notre patron. Dans ce cas précis, 5 mm suffiront et nous pouvons donc tracer à main levée ou avec une courbe notre ligne de taille. Enfin, nous devrions certainement tracer tout droit le bas de notre jupe puisqu'il s'agit d'un patron de base, mais la forme entravée, c'est-à-dire un rien plus étroite au bas de la jupe est tellement plus élégante que nous allons reporter sur la ligne d'ourlet la mesure de notre quart de bassin et lui retirer environ 2 cm. Vous pouvez en retirer plus ou moins en fonction de vos goûts personnels, de votre morphologie ou du modèle que vous souhaitez réaliser. Prenez le temps de bien peaufiner ensuite tous vos tracés. Et voilà, nous avons fini le devant de la jupe et nous pouvons attaquer à présent le dos. Alors c'est très facile, nous allons replier notre patron sur l'envers en suivant la ligne de milieu devant qui nous servira également par la suite de ligne de milieu dos. Lorsque c'est fait, nous allons découper les deux épaisseurs en suivant le tracé de notre pièce devant et en prenant bien garde qu'il n'y ait absolument aucun décalage. Nous venons de créer un dos parfaitement identique à notre devant, ce qui pourrait très bien fonctionner puisque nous n'utiliserons que des matières extensibles avec ce patron, mais personnellement je préfère que le devant soit un chouïa plus large que le dos. Les coutures côté seront ainsi décalées vers l'arrière et donc non visibles lorsqu'on regarde la jupe de face. Alors regardez bien, nous allons décaler notre ligne de milieu devant et dos d'un centimètre vers la droite et couper nos deux pièces.
voici notre devant et notre dos. Évidemment, n'oubliez pas de marquer le nom de vos pièces pour ne pas les confondre. Je vais maintenant tracer très rapidement un patron à mes propres mesures pour vous montrer à quel point c'est rapide et facile et surtout pour vous donner plus envie encore de vous lancer. Les patrons de base sont extrêmement utiles pour réaliser par la suite vos créations les plus fantasques ou les plus sages. C'est l'équivalent d'apprendre l'alphabet pour pouvoir écrire. Ainsi, dans le futur, lorsque votre patron sera parfaitement ajusté à vos mesures, il vous suffira de plier votre tissu endroit contre endroit, de positionner vos pièces sur la pliure, quelques coups de ciseaux et quelques points de machine, et hop, une petite jupe. En attendant, ne brûlons pas les étapes, nous allons réaliser une toile. J'ai choisi ce tissu extensible noir que je place avec l'endroit contre la table, le sens le plus extensible à l'horizontale et le moins extensible à la verticale. À la craie tailleur, à présent, nous allons tracer la ligne de milieu devant et nous en servir de guide pour déposer le patron de notre devant de jupe. Nous allons ensuite retracer tout le contour à l'aide d'une craie tailleur toujours et également d'une règle si vous le souhaitez pour les parties les plus droites. N'oubliez pas également de mettre deux petites marques pour indiquer la ligne de bassin. Il suffit de retourner notre pièce et de réaliser la même chose symétriquement pour tracer l'autre côté de notre devant de jupe. Avec un fil de couleur contrasté, nous allons retracer la ligne de milieu devant et les marques au niveau du bassin. Avec une autre couleur contrastée également, nous allons retracer le contour de notre pièce en reprenant un nouveau fil pour chacun de ses côtés. Cette étape peut vous paraître inutile, mais faites-moi confiance. Le fil est visible des deux côtés du tissu et ne s'efface pas comme la craie au moindre essayage. Vous gagnerez donc par la suite un temps précieux et vos essayages, donc la qualité de votre ajustement, n'en sera que rehaussée. N'hésitez pas à prolonger la ligne de milieu devant au-dessus de votre ligne de taille au cas où vous devriez modifier cette dernière. Nous allons retracer également les marques au niveau du bassin et nous pourrions d'ailleurs même tracer la ligne de bassin intégralement. Ces marques vont nous servir au bon raccordement avec le dos de notre jupe et également à vérifier l'équilibre de notre jupe pendant les essayages. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Nous avons tracé la ligne de milieu devant et les marques du bassin. Nous allons tracer le contour de notre pièce à présent. Comme pour la ligne de milieu, je vais commencer et finir un peu en deçà et en delà du tracé avec quelques points arrière. Une petite astuce pour conserver l'élasticité du tissu pour notre essayage et pour éviter que le fil ne se casse, vous pouvez étirer le tissu régulièrement durant votre bâti afin de donner au point un peu d'aisance. Le tracé restera visible et le fil ne rompra pas. Arrivé au bout de notre côté, donc, nous poursuivons le tracé de quelques points encore avant de reprendre un fil pour tracer le côté suivant, que nous commençons également en deçà de son tracé. Voilà, le contour de notre jupe est intégralement terminé. J'ai décidé de tracer également la ligne de bassin. J'ai changé d'avis. Même si nous travaillons avec un modèle basique, ce sera l'occasion de vous montrer comment régler l'équilibre de notre vêtement. À présent, nous pouvons découper notre pièce en laissant une bonne marge tout autour pour d'éventuelles, pour ne pas dire inévitables, modifications durant les essayages. Après avoir réalisé la même chose pour la pièce dos, nous allons marquer au fil, pour ne pas les confondre, le devant de notre jupe qui est légèrement plus large. Il est temps de nous attaquer à la construction de la jupe. Nous allons placer nos deux pièces endroit contre endroit en alignant bien tous les repères. Avec un fil d'une couleur contrastée, nous allons bâtir un côté, puis l'autre. Vérifiez bien régulièrement que votre bâti soit parfaitement aligné sur le tracé de chacune de vos deux pièces.
Si ce n'est pas le cas, comme ici par exemple, il faut s'armer de patience, découdre les quelques points de travers et les refaire. Voilà, mon premier côté est bâti, mon second aussi. Nous allons retourner la jupe sur l'endroit et coucher nos coutures au fil vers l'arrière pour réaliser un premier essayage. Si vous vous sentez un peu flemmard, vous pouvez bien sûr sauter cette étape, mais si vous travaillez pour un client, je vous le recommande puisque vous aurez un meilleur aperçu du galbe de votre jupe lors de l'essayage et cela confortera également votre client qui n'a pas forcément l'habitude de voir une toile ou un vêtement encore non fini. Et sans plus attendre, laissez-moi vous présenter ce petit mannequin que j'ai offert à Noël à notre chaîne YouTube et dont les mesures sont à peu près deux fois plus petites que les miennes. Ce sera bien pratique de travailler et de filmer avec des modèles réduits. Je vais donc lui enfiler notre petite jupe, les lignes de milieu devant et dos doivent être bien verticales et la ligne de taille bien au niveau de la taille. Alors, outre le tissu qui gondole légèrement, la première chose qui me chagrine est la direction de la couture côté qui part vers l'arrière. Pour modifier ça, je vais donc remonter le devant de la jupe. Par conséquent, il faudra descendre la ligne de taille sur la pièce devant. Et pour le dos, tout va bien, si ce n'est un peu trop d'aisance que j'absorberai dans les coutures côté. À l'attaque, je retire rapidement les quelques points qui maintiennent mes coutures côté bien à plat et je vais déshabiller notre mannequin, retourner notre jupe sur l'envers et avant de lui réenfiler, je vérifie bien, grâce à notre petite marque au fil, que le devant soit bien placé devant. À votre avis, est-ce que je devrais donner un nom à cette patiente petite dame ? N'hésitez pas à m'en suggérer un dans les commentaires. Voilà, vous pouvez ouvrir les yeux, la petite dame en question est de nouveau décente, les lignes d'équilibre sont bien positionnées à l'horizontale et à la verticale, et sans modifier ces directions, j'ai remonté le devant de la jupe pour rectifier la direction de ma couture côté. En conservant l'axe horizontal des lignes milieu devant et dos, nous allons resserrer à présent la jupe en réajustant la courbe de la hanche à l'aide d'épingles. Je vais commencer par maintenir bien en place les lignes de milieu dos et devant, et si vous travaillez sur vous-même, comme nous allons le voir dans un instant, il est vivement conseillé d'épingler la jupe à son juste au corps plutôt qu'à son épiderme. Ok, voilà, la jupe est bien ajustée, nous allons à présent retracer notre nouvelle ligne de taille. Souvenez-vous, nous avions légèrement remonté notre devant pour rééquilibrer la couture côté. Si vous faites ces ajustements sur vous-même, je vous recommande vivement d'accrocher un petit élastique autour de votre taille, au-dessus de votre jupe. Vous saurez tout de suite, grâce à vos sensations, en bougeant, en marchant un peu, s'il est bien positionné au niveau de votre taille réelle. Ensuite, vous n'aurez plus qu'à vous en servir de guide pour retracer cette ligne de taille sur votre jupe, dans le cas bien sûr où celle-ci diffère du placement de votre élastique. J'aimerais vous montrer à présent comment procéder dans le cas où au contraire la jupe est trop étroite. Nous allons découdre notre fil de bâti, à ne pas confondre avec le fil qui marque le contour de nos pièces, d'où l'utilité d'utiliser des fils de couleurs différentes, et nous allons retracer la ligne en donnant suffisamment d'aisance pour pouvoir tout simplement rentrer dans notre jupe. Et bien sûr, j'aimerais également préciser que dans le cas d'un rétrécissement ou d'un agrandissement, il peut arriver qu'il faille donner plus d'aisance sur la pièce dos uniquement ou sur la pièce devant. Le mannequin, si tant est que vous en possédez un à vos mesures, est très utile pour travailler et dans mon cas pour filmer, mais rien ne remplace évidemment un essayage sur soi-même devant un grand miroir en pied. J'ai donc essayé de filmer quelques images pour vous montrer comment procéder. Si comme moi vous avez tendance à être cambré, il faudra retirer de la matière au niveau du bas du dos pour supprimer cette petite vague créée par un surplus de tissu. Hop, je vais donc remonter le dos de la jupe et placer une épingle au niveau de ma taille réelle pour retracer ensuite grâce à elle ma nouvelle ligne de taille. Lorsque les essayages sont terminés, il suffit de retracer au fil les modifications provisoirement marquées à l'aide d'épingles, éventuellement de réaliser un nouvel essayage pour être bien sûr de soi, puis de les transférer sur notre patron et bien sûr sur l'autre côté de notre jupe. Voici donc ma nouvelle ligne de hanche et ma nouvelle ligne de taille. Je vais positionner sur ma jupe mon patron devant et l'épingler en suivant bien tous les différents repères.
Je place sur mon espace de travail une nappe de type bulgum. Vous pouvez utiliser un molleton un peu épais, voire une housse d'ordinateur, et je m'arme d'une roulette à patron. En retournant mon ouvrage, je n'ai plus qu'à retracer mes nouvelles lignes en suivant les lignes marquées au fil avec la roulette. Nous avons donc retracé la hanche et maintenant nous allons retracer la nouvelle ligne de taille. Souvenez-vous, nous l'avions modifiée sur la pièce avant pour la petite jupe de notre petit mannequin. Dans le cas de ma propre jupe, j'ai modifié la ligne de taille, mais sur la pièce dos uniquement. Retirons nos épingles, marquons notre ligne en suivant les petits trous laissés par la roulette dans le papier. Je vais également reporter ma ligne de hanche sur la pièce dos. Il suffit de les superposer et d'utiliser notre roulette. Nous pouvons donc découper le dos, il n'y a pas d'autres modifications à lui apporter aujourd'hui. Et pour le devant, nous allons simplement retracer également la nouvelle ligne de taille et tout découper. Vérifiez bien que cette ligne de taille forme une platitude, c'est-à-dire un angle droit avec la ligne de milieu devant, pour obtenir une courbe de taille parfaite lorsque nous découperons le tissu dans la pliure. Et voilà, ce tutoriel est terminé, j'ai conscience de sa longueur, mais je suis ravie que vous m'ayez suivi jusqu'à la fin. Bravo à vous, vous venez de réaliser un patron de base parfaitement ajusté à vos mesures. Il est à conserver aussi précieusement que votre carte d'identité pour de futures réalisations. Bye bye! À bientôt!